L'homme en blanc est un colon israélien. Apparemment, il cherche à disperser des moutons palestiniens. La scène a de quoi intriguer. Cet autre colon brise des caméras sous le regard placide des soldats. Ces images mystérieuses arrivent par dizaines sur Internet. Don't take camera. I break your camera. Don't take picture. Une guerre minuscule se déroule dans les territoires occupés de Palestine. La région nous avait habitués à des scènes bien plus sanglantes. Alors personne ne prête attention à ce harcèlement quotidien. Qui sont ces gens qui mettent le feu à des champs d'oliviers? Et pourquoi les soldats israéliens ne font rien pour les arrêter? Comme si on laissait sciemment des enfants jouer avec un briquet près d'un baril de poudre. Pendant ce temps, les Palestiniens attendent toujours l'État souverain qu'on leur avait promis. We recognize that a Palestinian state must be big enough to be viable. Mais sur les lieux où devrait être fondé ce fameux État palestinien, se sont installées des dizaines de colonies israéliennes liées à la droite nationaliste. L'État palestinien, le peuple palestinien, l'identité palestinienne, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ils veulent qu'on parte. Mais moi, je préfère mourir plutôt que de quitter ma maison. C'est une guerre d'un genre nouveau. Chaque mètre gagné sur l'ennemi est une victoire. Nous avons sillonné cette étrange ligne de front entre maisons préfabriquées et villages paysans.